Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Dans une note qui est rendue publique là, il fait connaître que le bureau primature a annoncé que le premier ministre Ariel Henry déjà quitté le pays depuis hier, quitté le 8 juin 2023. Une façon pour le capable aller rendre dans le pays Bahamas et puis participer à une rencontre que plusieurs chefs d'État et chefs gouvernement qui fait partie de CARICOM et la République dominicaine, c'est là. Vice-président États-Unis en tout, qui lui-même c'est une gros personnalité qui va gagner pour présent dans Chita Palace. Dans l'autre bois, nous gagnons insécurité ensemble avec manque de gouvernance. C'est bien sûr sous deux thèmes ça yo, Seattle à comme Montana yo t'a réfléchi hier qui était exactement 8 juin 2023. Alors, président élu à comme Montana qui lui-même malheureusement regrette détérioration crise sociopolitique et économique paysan qui vraiment plaidait en faveur d'une autre forme de gouvernance. Elle critiquait tout gouvernement côté que il dit gouvernement pas créé aucune condition pour petit paysan ta vivre comme ça doit. Gouvernement Bois-Calais, c'est bien sûr résultat insouciance l'État dans misère population selon président élu Akor Montana qui t'a fait connaître. Oui, littéral te temps pour population te exprimer colère li. D'une autre part, nous gagne porte-parole OPL Dario Syriac qui lui-même malheureusement pas mettre de l'eau dans bouche li pour être capable dénoncer comportement l'épée vague autorité yo dans gouvernement qui vraiment rete silencieux dans souffrance peuple qui a fait face là avec toute qualité de problème ta coup insécurité grand goût mais Dario Syriac lui-même tout rempli yon tableau catastrophique sous gestion gouvernement de facto Ariel Henry li fait connait que insécurité grand goût corruption c'est à yon même qui caractérise gouvernement si là nous gagne tout occasion côté que Dario Syriac confirmé que OPL pral participer tout dans réunion OPE CARICOM qui prévoit dans Jamaïque 11 pour 13 sous crise pays d'Haïti. D'après ça, il dit c'est pral tout une opportunité pour OPL capable exprimer préoccupation yo sous différents problèmes société haïtienne a fait face actuellement là. Fédération paysan plantaire Vallée la Tibonite prend défense coalition qui vraiment a bataille pour capable éliminer base gang griflan. Tout haïtien qui connaît ça que département la Tibonite représenté pour paysan d'après ça on dit ta de marcher joindre coalition soldat la Tibonite yo paysan yo pour capable combattre gang yon façon pour votre population capable suspendre sous compte étranger nous gagne tout nan yon note qui sorti là actuellement fondation zami timoun qui dénonce phénomène insécurité qui pas suspendre faire victime dans société a parce que timoun pas épanier pour petit gen 4 timoun qui victime en bas balle bandi dans espace 8 jours seulement dans diverses zones dans région métropolitaine. Fondation Zami Timoun condamné auteur Zak Sila à tout silence complice autorité étatique yo que li plaider tout en faveur respect droit timoun yo pour capable vivre Jean que convention internationale yo Haïti ratifié mandé Sila. Donc nous gagne tout environ 8 moun qui malheureusement fait voile pour pays sans chapeau dans maladie choléra dans sud-est pendant passage cyclonique là ak plus passé 60 les autres qui al prend soin dans centre traitement choléra dans Jacmel d'après sa que responsable communication département santé sud-est là qui c'est Marie Denise Mercedes fait connaître. C'est bien sûr grand pour ça nous pral gagner pour nous capable la voir aujourd'hui on après une courte pause on sera de retour. Eh bien oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec René Thomas pour vous informer, bien sûr. Jean ça t'est annoncé dans une note qui t'est arrivé en public, côté que bureau primature t'est annoncé que le premier ministre Ariel Henry quitte le pays hier, quitte jeudi 8 juin 2023. Une façon pour être capable finalement de rentrer dans le pays Bahamas et puis pour être capable de participer à une rencontre plusieurs chefs d'État et chefs gouvernement qui fait partie de CARICOM et République dominicaine. Eh bien, vice-président États-Unis, Kamala Harris, l'Iseyoun, nan gros personnage qui capable présent nan Chita Palace. Selon notre ça, c'est bien sûr ministre économie et finance qui c'est Michel Patrick Boisvert qui va assurer intérima nan primature en absence de PM Ariel Henry.
Madame, monsieur, Jean, nous tendez là, c'est comme ça, information a déroulé d'une autre part. Nous gagnons ensemble signature accord Montanayo, qui chita parlé hier 8 juin 2023, sous situation sociopolitique et économique pays d'Haïti a fait face actuellement là. Et insécurité et manque de gouvernance, ça, nous capables de dire que ça, c'est exactement deux points que vous pouvez. Antagoniste, yo mette accent nan rencontre si la et yo fait tout yon série de recommandations. Président élu Akor Montana qui c'est Fritz Alphonse Jean, lui-même tout te plaider en faveur de l'autre forme de gouvernance parce que l'état en soi pas créé aucune condition pour petit pays ta vivre. D'après lui-même, il y a bon rapport entre dirigeants et groupes armés et tout qui est à la cause que pays d'Haïti trouvé dans la situation que lié journée jeudi là. M'a invité qu'on y attendait avec moi Fritz Alphonse Jean dans micro. Je réunis tout ce qui est en Montanayo. Et d'ailleurs, tout programme qui est en Montanayo, que ce soit Conseil national de la nation, que ce soit AFM, Forum politique là, la force de société civile là, que tout est là, et bien représentant des gens qui sont là, tout est là. On veut dire, mais comment nous voyons l'évolution dans la situation politique critique que nous vivons dans la politique. Tout le monde est au courant de sa capacité de pays. Nous connaissons que le niveau de violence qu'il y a dans le pays, c'est qu'en pile petit pays, nous que pays, on a parlé de l'État pays, payé pour eux, ils ont tout à pourri de pays. Et c'est ça que tu as dit matin. Tu as dit que quand il y a là, on a perdu du docteur, on a perdu du ingénieur, on a perdu du infirmier, on a perdu du charpente, on a perdu du mécanicien. C'est en fait force du pays qui a pourri des pays. Qui a pourri des pays, c'est parce que l'État n'a pas créé aucune condition pour petit pays à vivre. Et il y a une situation qui fait une situation de désespérance, c'est la violence qui a fait contre petit pays. Qui fait que les gens qui étaient thématissants, les gens qui étaient canards, les gens qui étaient cités soleil, ils sont là, en bas de la carte, personne n'a pas calé de la caille. Nous disons, et d'ailleurs, en pile, dans la parole qui parle de la terre, montrez-nous clairement. Il y a une connexion entre les gens qui ont dirigé le pays et les jeunes garçons, les jeunes femmes qui ont des âmes dans le pays. Les gens qui ont dirigé le pays, que ce soit les gens qui sont responsables de l'État, que ce soit les gens qui sont dans le secteur privé, qui ont même alimenté ça qu'a fait dans le pays. Donc, on dit, pour nous arriver à une solution crise, il faut que la gouvernance, ça que nous avons là, il faut que le changer. Sans un changement de gouvernance, nous ne pouvons pas faire pour l'autre État, nous ne pouvons pas faire pour l'autre pays. Et c'est de ça que nous venons discuter maintenant. Pas oublier que pendant que nous parlons là, et bien avant, il y a une bonne sollicitation qui a fait de groupes politiques dans le pays. Que ce soit en deux pays pour nous parler l'un avec l'autre, que ce soit en deux pays. Donc c'est toute l'idée de ça qui est venue grâce à la vie. En même temps, nous avons dit, nous-mêmes, comme nous avons parlé de. Il y a une transition PVH. À travers ça que nous avons un mémorandum. Mémorandum nous dit clairement comment que nous avons transformé son pays. Nous avons transformé son pays à travers notre gouvernance. Nous avons transformé son pays à travers renforcer le système de sécurité que nous avons. Mais nous disons système de sécurité que nous avons parlé là. Ce n'est pas seulement une question des armes, renforcer la police. Mais il faut que le territoire soit en train de nous. Côté que nous avons un bon jeune garçon, jeune femme, qui a coupé dans la misère, il faut que le territoire soit nous garder l'autre genre. Donc là, on a parlé de transition pour les fâchés, on a parlé non seulement de changement au niveau de gouvernance pays, mais on a parlé tout changement de relation supposée entre l'État et la société, entre l'État et le secteur privé, entre l'État et le groupe organisé de pays et entre l'État et la population. Merci beaucoup. Alors, président, ça c'est le. Eh oui, toujours président Akor Montana, président élu, il te réagit tout sous mouvement Bois Kalea. Elle fait connaître que mouvement ça, c'est insouciance l'État dans la misère population qui a fait face là avec toute qualité problème, surtout insécurité à gangou qui donc, population revient en phase que le pas gain le choix que exprimer Koulioli devant silence autorité concernée. Fritz Jean, qui c'est. Président élu à Montana, non l'autre bord, il était profité tout pour te bailler disons li sous sommet CARICOM nan qui prévoit dérouler dans pays Jamaïque ce 11 pour arriver 13 juin qui va gagner pour venir là. N'a signalé pour que madame monsieur yo invité bien sûr bureau suivi à Montana tandis que yo pas invité président élu à Montana. Madame mademoiselle et monsieur, c'est comme ça bien sûr information yo a déroulé m'a invité encore une fois tandis ensemble avec moi Fritz Alphonse Jean dans intervention.
nous-mêmes, parce que pas oublier, nous avons fait révolution. Ça que nous disons dans le monde, nous disons, le niveau de déchéance sociale que nous avons là, ce n'est pas avec que nous ne faisons pas, c'est pas un consensus entre forces vives dans le pays. Et c'est le consensus ça que nous avons parlé depuis longtemps. Mais le consensus ça, c'est un consensus qui a fait sous mensonge. C'est un consensus qui a fait sous faux. C'est un consensus qui se pose en sous un feu de route clair qui dit compréhension que nous avons de relations insidieuses qu'il y a entre l'État et les sociétaires, il faut qu'il change. Le consensus que nous avons parlé là, c'est un consensus qui dit relation qu'il y a entre l'État et un branche de secteur privé, qui lui-même a privé l'État de toutes ressources, là, on dit qu'il faut que la relation ça change. Donc en fait, nous avons fait une route qu'il a discuté depuis longtemps avec un certain nombre de monde dans la société. On a parlé de monde qui est dans la société civile, aussi bien que nous avons parlé de monde qui est dans le parti politique. Pour nous dire, nous avons entendu nous sur feuille de route ça. Et ce feuille de route ça, qui a permis de changer l'État, ça, changer la nature. Économie changer nature, relation qui est entre différents groupes sociaux entre les Est-ce que Montana, a renforcé? Est-ce que de l'autre parti, qui rejoint Montana? Si gagné, combien qui rejoint Montana? Non, pas bien que Montana, c'est ça. Montana lui-même, son mosaïque de regroupement qui est entre la société civile et le parti politique. Ça veut dire depuis Montana fait. Évidemment, dans la discussion que nous faisons avec notre parti, et que notre parti que nous approchons, pour des difficultés, que parce que nous avons la monnaie, et qui allait, bien tourner, etc. Mais Montana, toujours à pied d'œuvre, pour nous discuter avec notre parti, c'est même là, je vous ai dit qu'il a, quand dit que la discussion qu'il a fait entre Montana et le groupe de République. Pour le meilleur, nous passons par le. Il faut discuter de Montana au niveau de Jamaïque là et quelle position Montana a sur le mouvement peuple à Bois-Calais. Et sous question Bois-Calais, nous mêmes positionnons clairs. Chaos qui est en pays, nous dit chaos. Même Jean-Jacques, c'est un chaos sorti dans le ciel qui est tombé sur la tête d'Haïti. C'est un chaos qui est construit. Chaos construit dans le monde dans le pays. On a parlé de monde dans le secteur privé et monde dans l'État qui mettait des armes dans les jeunes garçons et jeunes femmes pour gagner une élection, pour faire un business, pour gagner un couloir, pour faire une circulation, toutes sortes de trafics. C'est le monde ça, voilà, qui construit le chaos. Et ce chaos qui donne toute violence à la violence kidnapping, violence viol qui a fait sur femmes, viol a fait sur Timon Biti, Timon qui a moins de 10 ans. Donc, population là, pendant un bon bout de temps, elle a subi ça. Pendant qu'elle a subi ça, ça, et ça dit dans la presse, que ce soit la presse locale ou bien la presse étrangère, internationale. Pendant que tout le monde a plaidé, gouvernement, il va parler au monde qui dit que responsable l'État, ne sont pas complices, ils ont été totalement indifférents. Donc, la population a subi ça pendant 10 mois, pendant 2 ans, au premier an, la population lui-même. Ils sont obligés de prendre des stèles dans le mêle. Bois-Calais, c'est ça. C'est une population qui voit que le monde qui est responsable, qui a supposé qu'il y ait un service de sécurité juste dans le pays, il n'est pas capable. Donc, nous-mêmes, nous avons aussi que. Nous qui avons dirigé le pays, nous menons les populations là. C'est dommage qu'elle arrive là. Le mouvement, ça, c'est un mouvement qui symbolisait une manifestation pour les populations. Donc nous-mêmes, du groupe organisé, on a supposé encadrer les populations. Voilà, nous avons tout parti politique OPL qui décrit là un tableau catastrophique sous gestion gouvernement de facto Ariel Henry qui gagnait environ 2 années dans tête pouvoir. Dario Syria, qui se porte-parole OPL, lui constatait que c'est bien sûr insécurité sous toute forme, gangou, corruption qui caractérise le pouvoir en place là. Dirigeant politique là dénoncer comportement autorité en place yo et il dit que yo vraiment pas manifesté aucune volonté pour joindre une solution à crise sous toute forme société haïtienne a traversé depuis un bon bout de temps. Dario Syriac Telamikon moun kap dirije yo depuis longtemps fait tout ça yo capable pour basculer pays à la fois dans anarchie et dans dictature. Ça n'a vivre là jodi a là li les deux si on pouvoir dictatorial, dans le sens que vous avez un homme qui rassemble tout pouvoir en bas griffli, mais c'est un pouvoir anarchique également, parce que son pouvoir qui laisse faire, qui crée comme l'armée, comme force dans le pays,
yon ensemble de gang kap tuye, kap vole, kap pille, kapé massacre population et puis il prend de grenier l'a gardé. Crise là aussi, c'est une crise structurelle parce que depuis après l'assassinat de Jacques Dessalines en 1806, pays a li bloqué sous question progrès avec développement. Pas rien qui fait vraiment et gen quelques moments coûte de l'histoire. Pays a te vle vraiment prendre capli, notamment nous ka cité sous Diomassé estimé, mais nous connaissons pratique là, pays impérialiste, ensemble avec Konze Haïti, pas de jambes vle quitter moun qui progressiste dirige pays ça. Même Diomassé estimé, yo te jwenn raison pour yo te bali coup d'état. Ça fait que progrès pas jambes ka fait dans pays ça, développement pas jambes ka fait là-dedans. Et constat jodi a là, qui s'allie. Nous avons affaire avec un gouvernement illégal, illégitime. Yon gouvernement manfoubin qui plus à l'aise pour fonctionner avec gang au lieu li fait institution l'état yo marché pour gouverner pays a pour diriger pays a. Et c'est ça qui fait que comment yon pas marché maintenant c'est misère, c'est chômage qui augmenté, c'est insécurité qui augmenté parce que pas gagné espace au monde côté moun qui gagne instinct criminel, yo joine une possibilité pour yo déployer zèl yo comme mandi yo va déployer. Lè te genye moun ki te responsable, ki te nan tête pays a, ki te gen souci pour appliquer la loi, eh bien, te toujours gen tentative pour banditisme te développer, mais on te toujours barré la route à bandi. Et ça qui gen la jodi a, c'est pas une fatalité pour nous en Haïti. Question insécurité a li ka résoudre une fois gen yon volonté politique pour le résoudre. Une fois moun qui premier ministre dans pays a. Une fois moun qui nan tête l'état, c'est pas bandi yoyé ou bien c'est pas associé bandi yoyé. Eh oui, c'est comme ça information yo ap déroulé dans pays a. Nous gagne porte-parole parti organisation peuple cap lutte qui c'est Dario Syriac, li confirmer que OPL pral participer dans sommet CARICOM prévoit organiser en Jamaïque avec plusieurs acteurs haïtiens sorti 1er privé 13 juin 2023 là sous crise pays d'Haïti. Et bien sûr, c'est pral tout yon opportunité pour parti OPL là t'a exprimé préoccupation sur différents problèmes société haïtienne a fait face là. Plus loin, dirigeant politique la fait connaître que gouvernement de facto Ariel Henry qui a gagoté l'argent la douane à DGI t'a collecté, c'est bien sûr l'argent qui t'a supposé utiliser pour créer bon genre infrastructure et puis résoudre yon ensemble de problèmes qui a saccagé pays. D'ailleurs, Syriac, encore une fois. Quantité l'argent, l'État a rentré dans la douane jodi a qui représente dernier tarif. Quantité quoi la douane entrée là, environ 12 milliards de gouttes qui représentaient n'importe 160 fois plus que ça la douane de qu'on entrée avant Ariel Henry. Quantité quoi gouvernement haïtien a rentré sous produit pétrolier en Haïti, nous quoi yota doué servi pour capable non seulement permettre à ce que l'école nationale côté petit peuple a yé capable fonctionner normalement, mais nous quoi tout canal yo et gouyo t'as supposé nettoyer pour les vagues de l'eau qui sont dans la saison cyclonique là rentrer. Donc, pour pays à ta protéger, pour moun pas ta obligé noyer, pour toute quantité moun sa pas ta obligé mourir. T'as coup ça arrivé samedi dernier, yon ti la pluie, kanyan, qui pas même fort. Donc, gen tan noyer tout yon pays, toute la République, et puis ou gen yon paquet moun qui gen tan mourir là-dedans. C'est parce que moun kap dirige yo, c'est criminel yoyé, c'est manfou ben yoyé. Donc c'est deux monde qui ont seul souci pour piller pays mais qui pas diriger vrai. Je dis à devant constat ça, nous quoi un gouvernement nihiliste inutile qui gagne seulement passif, qui pas rien comme actif depuis 2 ans. Ça veut dire qu'il pas régler rien pour pays qui seulement c'est ramasser, à satisfaire intérêt personnel yo. Gouvernement ça, il pas capable remanier. Gouvernement ça, moun honnête, moun sérieux, pas capable al pactiser avec elle. Gouvernement ça, c'est changer pour le changer. Et il doit changer, étant donné que c'est pas élection qui possible dans moment pour capable bailler pays à dirigeant, c'est un consensus qui nécessaire. Et consensus qui nécessaire là, li pa doit fait avec 2-3 moun. Ariel Henry pas capable permettre li pour le chita la kaili pour la inviter moun li vle
partisan 1000 viennent faire accord ensemble avec lui pour diriger le pays. Le consensus qui est nécessaire là, il doit dégager dans une réunion côté toutes les forces vives de la nation, les forces politiques, les forces de la société civile. Ils ont discuté et puis ils ont mis d'accord sur comment le pays a dirigé. Comme réunion à Jamaïque là, démarche nous ouais. C'est une démarche à peu près pour réunir tout acteur concerné pour discuter de besoins paysans, eh bien, OPL paraît pour le répondre. À rendez-vous ça. Et voilà, information au Pape Campé, nous gagnons une nouvelle entité spécialisée sous actuellement là pour yo capable de mettre sous pied en dedans police nationale d'Haïti. Entité ça, li va porter nos unités enquête criminelle TCIU. C'est bien sûr vice-présidente États-Unis Kamala Harris qui annonce nouvelle ça hier, qui était jeudi 8 juin 2023. Nouveau unité ça, li va supporter par États-Unis et li a gen responsabilité pour capable lutter contre contrebande zam à feu, munitions et puis trafic moun ak activité gang transnationale. Toujours d'après vice-président États-Unis madame Kamala Harris. Madame monsieur, laissez-moi vous dire que information yo a continué, autorité yo du notre port Claire Marc li fait connait que lui-même dans gouvernement yo gen intérêt yo tout dans insécurité, c'est la raison pour laquelle qui fait que yo poko jam prend bon genre de mesures pour porter une solution à problème ça, c'est bien sûr déclaration collaborateur PL là sur Claire Marc lui-même qui se dirige politique là fait connait que insécurité ça c'est un factory pour nèg yo qui donc s'il résout l'argent pas capable rentrer dans poche yo littéralement n'a invité tande le connia c'est nèg yo qui gagne violence légitime non c'est moun k'ap dirige a qui gagne et que vous dire ouais que malgré effort qui t'a fait entre population et force la police là donc je dis ouais ben là un petit gens calmé un petit gens tempo c'est comme si quelque part il y a de l'ordre qui passait il y a des décisions qui prennent pour bagarre là pas aller plus loin que là parce que l'orgue garder des intérêts qui gagnent quand les gens qui dirigent pour que bagarre arrête comme ça c'est comme si nado c'est son factory son possibilité qui gagne pour ne faire plus d'argent donc s'il résout c'est sûr que eh ben il y a de l'argent qui est pas capable d'entrer pour se voir capable comprendre pendant que ces questions opération bois calé a pas avancé eh ben c'est le moment gagne même Negwe qui il a pour découvrir gain des armes gain bateau qui a continuer pour tes armes mais mes amis rend moi faussage donc quel que soit que nous même nous c'est des robots que nous derrière donc nous t'as supposé comprendre gain monde qui gain intérêt dans ça équipe bien placée pour permettre que situation arrêter gens dire c'est très bien il prend des sanctions mais sanction moi même m'a senti que le sanction et peuple haïtien a senti sanction c'est les que wa monde za derrière bao parce que ça fait longtemps il prend plein de sanctions contre plusieurs monde déjà mais tout le monde zaire là il a fait vaquer activité yo. Sauf yo pas aller les États-Unis yo pas aller Canada vous comprenez mais yo encore là maintenant jusqu'à présent et monde zaire faut être à l'autre côté pour pas nuire personne vous comprenez parce que c'est des bandits c'est des méchants que vous donc là vous cas comprendre que et sanction yo c'est vrai c'est bon mais cependant suivi sanction yo amen nous même tout comme monde comme victime faut que sanction la fait chemin. Bandi à Gozam Fanfoy qui est arrivé attaquer un ancien sénateur dans le département nord-ouest, Evalier Beauplan, mercredi qui était 7 juin 2023. Selon l'information qui a circulé là et nous qui a fait confiance, c'est un monsieur qui fait partie de gang Krasé Barrière, vite l'homme innocent qui a dirigé, bien sûr, qui t'a commettre Zach Silla. En pile, coup de balle, qui est arrivé tiré pendant la journée, pendant l'ancien sénateur, qui est arrivé la Kaili, quand il a assisté à une réunion, et bien même le bandit est arrivé envahi. Mais malheureusement, bien heureusement, bien sûr, ancien normalement, t'es arrivé échappé pour lui grâce avec la police qui t'a accompagné. Nous, à fois qu'on est d'un autre port, il y a une fédération paysan planté Valé la Tibonite. Yo, yo même yo pré-défense coalition qui a bataille pour éliminer base Gagrif. Ça vient tout haïtien qui peut-être ta compte valeur la Tibonite le Saoudi pour paysan. Yo t'a supposé à marcher joindre coalition soldat paysan la Tibonite yo, pour combattre gang. Pour vendre population au moins capable de suspendre sous compte l'étranger. Eh bien, m'a invité au Kounia, attendez avec moi, Venesse Désir, depuis Tirivière, la Tibonite, Cité Crête à Pierrois, pour plus de détails.
porte-parole Fédération Plantaire dans la Tibonite, madame Betty Douras fait quoi situation que la Tibonite a connait jodi a, c'est première fois la fait face à Clio depuis li gen connaissance et porte-parole là continuer pour le fait connait li féliciter à encourager bataille coalition soldats paysans a mené au niveau Valéa pour libérer en bas main grand griffe qui acheté pour la jeune depuis un bon bout de temps en bagé l'état qui pas jamais décidé prendre décision pour craser gang nan. Selon madame Betty Douras, gang grand griffe là c'est gang numéro 1 que l'état installé dans Valéa pour kembe moun la Tibonite ou tout pays a comme un espace consommateur tout simplement pour pas ka produit diri nan Valéa. Madame Betty Douras a mandé à tout haïtien conséquent qui konn valeur la Tibonite gagné pour accompagner coalition soldats paysans yo pour déraciner gang nan. Li pote précision, li fait quoi ensemble des armes que soldats paysans yo a utilisé à travers coalition tant qu'en pile moun li fait quoi c'est des groupes gang k ap goumen. Li dit depuis li même li gen naissance li était toujours ouais te konn gagné des conflits terriens nan mitan communauté a. Et c'est exam ensemble conflit terrien ça a été kon fait mais zam ça yo c'est des pas jam nuit population moins que les yo nan pousser nan espace côté pour cette terre a fait là c'est pour ça li dit ensemble des zam ça yo obligé vin servir population à travers coalition li fait quoi pas gen rien ouais avec question des groupes gang que moun yo a fait quoi qui gagnent dans la Tibonite Cap Goumen c'est population ak gang griffe Cap Goumen pour au moins yo libérer tête yo face avec exaction gang n'a fait. Madame Betty Douras pour plus explication. Douras fait quoi c'est à travers conflit terrien yo que t'a pas cause institution Inara te prend naissance dans vallée la Tibonite ou sur tout pays a dans l'idée pour te combattre question conflit terrien qui te compte fait à zam dans vallée a. Désir, Venès, Tirivière, La Tibonite, City Creta Piero, TAC 509. Avant de finir, nous avons coordonnateur général solidarité, directeur l'école à Kaye à Cabaret, qui soit Luce Joseph Jean, qui lui-même mandé avec autorité au nan ministère de l'Éducation nationale, nommé souple sans perdre de temps, coordonnateur et pour section secondaire dans bureau district scolaire. Depuis après le mort coordonnateur Joël Descamp, 20 novembre 2022, qui lui-même était dans poste la cause directeur l'école à Kaye, a monté un masque fait là pour traiter dossier élève. Plus précision avec Pascal Floristil depuis Kaye.
L'homme coordonnateur général inspection scolaire AKEA, Joël Descamps, 20 novembre 2022, l'a dit directeur l'école dans la commune dans une véritable casquette chinoise pour joindre un responsable dans BDSA pour traiter dossier yo. Parce que inspecteur qui était yo, l'a dit pied aux États-Unis à Canada. C'est responsable cabaret, inspecteur Jean-Renel qui a assuré intérimat et qui pas venir souvent dans bureau. Dans sens ça, coordonnateur général solidarité directeur école AKEA cabaret yo, soirée Joseph Jean lancé un vibrant message par directeur départemental éducation l'Ouest la France Lucel pour nommer pressé un coordonnateur général pour section secondaire. En plus, il mandé pour nommer plus d'autres inspecteurs toujours pour remplacer Sila qui parti yo, yon manière pour travailler avec directeur l'école yo dans commune nan pour lever escamp figi éducation dans cité drapeau a. Responsable a mandé ministère pour faire nomination ça yo avant déroulement examen NS4 ak bac traditionnel yo. Plus loin, directeur a déclaré autorité dans l'éducation yo anessa kou sa pa passé c'est moun ki dans éducation dans commune nan ki doit participer dans surveillance examen yo comme ça ça va permettre un bon déroulement épreuve examen yo dans cité drapeau a. Yon l'autre bord responsable a parlé sur insécurité kapta et banda sur national la ki gen gros impact sur en pile l'école dans cabaret soirée Joseph Jean mandé directeur la police lan pour faire intervention précise sur route lan en façon pour sécurité capable tourner ça va faciliter l'école reprendre cabaret ak toute l'autre section communale yo yon façon pour élèves yo capable préparer épreuve ministère qui pral arriver dans un mois encore. Pour finir, soit Joseph Jean mandé ministère éducation nationale voyager garder l'école privée yo dans arrondissement qui a fait face à un pile l'autre difficulté tant kou pas capable payer professeur à cause parents yo qui pa gen moyen depuis arrondissement Akaye. Pascal Fleuristil, TAC 509. Eh oui, sans plus tarder, nous prenons fort place ensemble avec Jonathan Charles. Mais avant qu'il y ait environ 8 personnes qui fait voile pour payer sans chapeau dans la maladie choléra dans le sud-est pendant le passage cyclonique. Là. Et plus passer 60 les autres à l'appréhension d'un centre de traitement choléra dans Jacques Mel, d'après sa queue responsable communication département santé sud-est. Tadila, Marie-Denise Mercedes, lui fait connaître. Et nous voulons rappeler pour que, dans la date 15 janvier 2023 qui s'est passé là, le ministère de la Santé publique a déjà rapporté gain plus passé 1700 cas qui confirmés, ensemble avec 24232 cas suspects en un pays. Parmi eux, il y a 483 qui mourent avec 20500 personnes qui éteignent l'hôpital et plus passé 16000 cas dans le département de l'Ouest. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est comme ça l'information a déroulé. Sans plus tarder, nous fait place avec Jonathan Charles pour séance sportive. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jonathan Charles a présenté nos rubriques sportives là. Actualité sur le plan local, nous parlons pas de Coupe du Monde. Bon côté mesdames, yo, gagné la Fédération Internationale Football Association, la FIFA, qui confirmé hier jeudi quantité l'argent la pour le bail dans la Coupe du Monde là. C'est pour aller faire 152 millions de dollars américains la FIFA a pour injecter, ce qui veut dire trois fois quantité par rapport avec la Coupe du Monde 2019 là. Pays la France qui organisé et 10 fois plus par rapport avec la Coupe du Monde 2015 là que pays Canada lui-même a été organisé. La FIFA qui prend en charge chaque sélection qui a pour participer et joueurs eux-mêmes y a pour lever jackpot. N'a pas fait connaître chaque équipe qui a éliminé. Dans le premier tour, chaque grande footballeuse a bénéficié de 30 000 $ américains. Sélection qui a pour qualifier pour 8e de finale, yo, il a éliminé. Chaque grande joueuse pour toucher a fait 60 000 $. Si l'équipe arrive dans le quart de finale, un chèque 90 000 $ américains pour chaque joueuse. Et arrivé dans la dernière carrière qui est demi-finale. L'équipe qui a fini 4e dans la course voit 165 000 $ américains. Et l'équipe qui a gagné pour recevoir un médaille bronze là, chaque joueur a besoin de 180 000 $ américains, lundi médaille bronze. C'est l'équipe qui a gagné pour finir meilleur 3e. Et dans la finale là, l'équipe qui a fini 2e, donc soit qui a perdu la finale là, chaque grand joueur a besoin de 195 000 $ américains. Donc on est à recevoir un médaille d'argent. Et c'est chaque joueur. Quant à pour futur championnat, chaque joueur pourra toucher à faire 270 000 $ américains. Donc ouais, la FIFA lui-même qui prend en charge et qui injecte et capable pour injecter pardon pile l'argent dans mondial 2023. N'a pas si aller chaque sélection doit au moins gagner 50 monde dans la délégation yo.
qui est 736 footballeuses, qui veut dire 23 dans chaque sélection qui pourra jouer mondial là, qui a pour le fait dans deux pays, c'est l'Australie avec la Nouvelle-Zélande, deux pays ça qui dans continent océanien mondial là qui pour le fait sorti 20 juillet pour arriver 20 août. Nous parlons qu'il y a un football transfert pour nous parler champion du monde argentin Alexis Macalister. Monsieur signé une équipe Liverpool là, équipe Liverpool là qui a annoncé ça même sous site li hier jeudi. On a cité le Liverpool Football Club a conclu un accord pour le transfert d'Alexis Macalister de Brighton et Hove Albion sur un accord à long terme pour un montant non divulgué. Le joueur de 24 ans a passé avec succès un examen médical et convenu de conditions personnelles pour devenir la première recrue des Reds pour le mercato estival. Macalister arrivera à Anfield à moins de 6 mois après avoir aidé l'Argentine à remporter la Coupe du Monde au Qatar en décembre dernier, clôturant une saison très impressionnante avec Brighton. C'est notre ça, nous te lis sur site équipe Liverpool. Alexis Macalister, M. Pral, héritier d'Ossardis. Nous connaissons que ça, Dieu m'a dit, même l'été pour te. Depuis le M. Pral, l'équipe là. Mais là, c'est Alexis Macalister, M. lui-même, qui pral héritier numéro ça. M. lui-même, ligue 24 ans seulement. Pendant le week-end, spécialement demain samedi, c'est Pral, finale 68e édition Ligue des Champions 1. La jouée demain samedi à 3h dans l'après-midi. Manchester City, un club anglais pral face Inter de Milan, s'il vous plaît. Un club italien, son match qui pral déroulé dans le stade olympique à Tertuk. Un stade ça, yon capacité 75 145 places. Il est dans la ville Istanbul, qui est dans le nord pays de la Turquie. Et si nous regardons la ville ça, sur le plan économique, c'est Pigouville qui gagne dans le pays de la Turquie. Mais que capital pays la Turquie lui-même qui c'est Ankara. Pour équipe Manchester City, c'est pas yon habitué dans les affaires finales Ligue des Champions. C'est deuxième fois yon pral jouer finale Ligue des Champions en 2021. Yon était fait finale Ligue des Champions, mais yon était perdu finale là avec Chelsea qui était battu yon goal à 0. Tout le monde songe Allemand Kai Havertz qui était buteur. Équipe Citizen Nasingari pour saison 2023 déjà remporté deux titres et qui rêvait faire un triplé. Et yon était remporté première Ligue anglaise là. Yon était remporté Coupe d'Angleterre là. Tout le monde était battu Manchester United 2-1 en finale. Et là, il est plus capable de réaliser triplé A. Yon pral face yon équipe italienne qui est l'Inter de Milan, les mêmes qui compte compétition ça très bien puisque Inter de Milan yo champion trois fois déjà. Yo était champion en 1964 là où t'es battu équipe Real Madrid là, en 1966 yo était champion sous équipe Benfica Lisbonne là, et en 2010 Inter de Milan t'es battu Bayern Munich 2-0. Tout le monde songe buteur argentin Diego Milito lui-même qui t'es fait décabesse dans finale ça. Et si nous regardons tout et équipe Inter là t'es réalisé un triplé. Pour Manchester City t'a réalisé triplé ça, faut qu'il lève défi et faut qu'il t'a renversé équipe Inter de Milan, les mêmes Napsi Ali qui perdu deux finales Ligue des Champions 1967 et 1972. Et pour saison 1, Nerazzurro t'a pris coupe d'Italie et t'a battu Fiorentina en finale 2-1. Si nous regardons les meilleurs buteurs en compétition en Ligue des Champions jusqu'à présent, c'est Cyborg norvégien M. Erling Braaland, qui fait 12 goals, li bay yon passe goal dans 757.5 minutes, monsieur lui-même li joué. Ici nous regardons les meilleurs passeurs là, c'est l'autre joueur Manchester City, monsieur le Kevin De Bruyne, monsieur bay 7 passes goal dans 685 minutes qui est en joué. La petite dossier Ligue des Champions pour nous parler Coupe du Monde moins de 20 ans, demi-finale yo qui était joué hier jeudi. Dans premier demi-finale là, l'Uruguay bat Israël 1-0. La psyali match là était joué dans Estadio Unico Diego Armando Maradona. Buteur là c'est Anderson Dualte dans 61e minute de jeu. Il y a 19 ans seulement et Green Gold Sack est tout collé permettre ensemble avec Celestia qualifié pour grand finale là. C'est troisième fois Uruguay pour jouer finale. Il était fait finale 1997 à 2013. Malheureusement, il était toujours perdu finale. Dans la deuxième demi-finale là, l'Italie tape tout qui face à Corée du Sud. Squadra Azura imposé 2-1. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont joué l'ouverture du score là avec Mitterrand Césaré Cascadei dans la 14e minute de jeu. Sud-Coréen a été égalisé dans la 23e minute de jeu sur un pénalty. Après consultation VAR là, c'est Cheung Won Lee, monsieur qui était transformé pénalty, mais il a fini 1-1. En deuxième période, Simone Pavunzi a fait 2-1 dans la 86e minute de jeu à 4 minutes et de temps réglementaire.
permettre avec Squadra Azura même yo te joindre goal victoire là son qualification pour Squadra Azura qui prend jouer finale et c'est pour le premier final sélection italienne dans yon finale qui programmé pour dimanche 11 juin à 5h dans l'après-midi le star Unico Diego Armando Maradona qui finale là lui-même l'a joué puis bonheur et toujours dimanche là 1h30 laisse ça nous pour joindre l'Israël qui pour jouer face à l'équipe Corée du Sud là c'est toujours dans le stade Diego Armando Maradona là qui était football nous pour parler basketball NBA finale et NBA ya troisième game là t'es joué hier on nous dit plutôt et mercredi soir lorsque équipe Denver Nuggets là al bat Miami Heat la Kai Miami s'il vous plaît la Casia Center 109 à 94 Dio Nuggets s'il vous plaît Nikola Jokic monsieur font triple double 32 points 10 passes décisives 21 rebonds joint Jamal Murray monsieur fait 34 points 10 rebonds 10 passes décisives. C'est la première fois que yon duo arrive fait 30 points et plus. Et quand tu as avec Nikola Jokic, puis lui-même avec 32 points et 21 rebonds, c'est pour la première fois que yon joueur dans la finale NBA et fait un chiffre explosif comme ça. Bon côté Hito, Jimmy Butler, monsieur pas trop bon, monsieur fait 28 points. Et Bam Adebayo, monsieur fait double-double là, 22 points, 17 rebonds. Et Denver a mené 2 victoires à 1 dans la série. Ça. Quatrième game, nan, c'est pour jeudi vendredi à 8h30 dans soir. Toujours la caille Hito. Miami a pour recevoir Denver Nuggets avec Daniel Foussayo. N'a pas été fait dans la rubrique sportive là. Jonathan Charles est même ta présent. Voilà, merci beaucoup Jonathan. Merci beaucoup. C'est bien sûr un plaisir pour nous capables de quitter fanatique informé. Nous avons jambé dans l'international là pour nous mettre fin. Ancien président Fédération Nationale Football, bien sûr, haïtien, Yves Jean-Baptiste Dadou, que nous connaissons, Ligue 75 l'année, les rivières gagnent procès pour diffamation. La plainte qu'elle a déposée en France contre un journaliste français, ça, qui s'est quitté, un youtubeur romain Morina, d'après sa source dans la justice, a fait affaire qu'on est là. Donc, journaliste, là, pour gagner une affaire de 500 euros pour le payer là, comme amende, d'après verdict tribunal parisien. Eh bien, ancien président FHF, là, t'es accusé journaliste, en côté qu'elle t'a dit que. Journaliste là t'es comme quoi publié un article dans mois avril 2020 sur site internet journal britannique de Guardian côté que journaliste en soit t'es accusé comme quoi il était abusé sexuellement quelques jeunes footballeuses dans le pays d'Haïti et il était déposé plainte tout pour deux vidéos que Romain est arrivé poster dans mois d'avril à mai 2020 sur plateforme YouTube qui a un rapport ensemble avec accusation Sayo dans un article qui était paraît sur site web Guardian. Soi-disant victime non, t'es déjà déclaré que sous condition pour non yo pas cité et gagne pression qui était faite sous Timon Sayo pour être capable de faire mes bouche yo. Et bien vidéo a dit que au moins deux joueurs mineurs t'ai fait avortement pour Dadou après viol que leader là t'ai fait sur un centre formation nationale. Et bien tribunal là bail remet environ 15 jours pour retirer toute parole qui sale non Dadou Jambor sous plateforme YouTube lien. Et bien ça a été fait dans mois de novembre 2020 et bien quelques mois après qui était paraît sur site web Guardian. FIFA t'es déjà joint ancien leader football haïtien bien sûr t'es coupable d'après avoir été servi avec position pour être capable faire abus sexuels et agresser plusieurs jeunes filles parmi eux des mineurs cependant dans date 14 février 2023 bien sûr désolé et tribunal arbitrage pour esport CAS t'es déjà décidé annuler suspension contre Yves Jambor d'après tribunal pas gagné assez preuves pour accusation ça yo et accusation ça yo c'est des accusations droite et gauche sans précision et les contredire tête les FIFA te fait appel contre décision CAS là dans mois mars patient là pour demander annulation ça et réclamer nouveau analyse sous dossier si là. Mesdames, messieurs, c'est là tout nous avons mis en bout dans le journal. Nous, pour jeudi, c'était avec vous, amis honnêtes, Thomas Demikwa pour servir au voir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Il y a un pays qui fait une crasse. L'homme de petit, expression ça n'a pas de gain sens pour moi, malgré le en créole. L'amour que je partage avec les amis, je n'ai pas de bon temps pour me chercher à comprendre tout. L'aime venir voyager, j'aime commencer à l'ouvrir sur quelques réalités. Même si je viens de piper réalité, ça, je n'ai pas envie de comprendre.
Après 10 ans dans le pays étranger, malgré toutes mauvaises nouvelles, nostalgie exige de visiter le pays. Et c'est là que je commence à regretter que je me grandi. Plutôt que je me Justice n'a pas cherché là. Abraham gen pour lui dire ta scène va foutre si span rassé là. I love my country, je t'aime. Ti pays ça, qui l'en n'a pas si span fait caca. Semble n'a pas foutre ou en retard. Merci, politicien, merci. Ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mon goût, mettre fou, pété. La banque a fonctionné, mon prélin, coussadine. Pas d'un bac, machin, bac à poser sous grand riz, oh Jésus. Bagay, ça fait rire. I just fucking love my country. Qui est-ce? Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce? Qui est-ce qui pour gongon? Village de Dieu. Tree.